Donc voilà, on est en train de se faire clasher parce qu'on n'a pas fait de pub à quelqu'un. Là, on va avoir normalement Selim au bout du fil, qui nous a appelé 45 fois mort de rire, et quand on l'appelle, il n'est plus là. Ça, c'est la magie, ça. Ça, c'est la magie. Donc là, on en revenait où alors, Avenir? On t'écoute. Donc c'est bon, on est en direct là. Ouais. Ok. Donc on en était à la personne qui t'a fait ici, un caca nerveux parce que tu as pas fait de la pub à lui, mais tu m'en as fait à Ouais, moi. non, surtout, il nous accuse de pas avoir prévenu. Alors attends, Selim est là. Ouais, Selim. Non, toujours pas. D'accord. Ok. Vas-y, Anna. Ouais, Voilà. Ouais. genre on aurait dû prévenir que c'était pour les Voilà, tu vois. mineurs, tout ça. Moi, j'ai juste deux, trois petits trucs à dire sur ça. Je vais rester très, très calme. Parce que, voilà, au bout d'un moment, c'est énervant. J'ai vu la vidéo que tu m'as si gentiment faite. Parce qu'encore une fois, tu n'as aucun intérêt à me faire ça, sauf de la gentillesse. Et c'était à la base pour ta communauté majeure. Parce que c'est la base de soi, de toute façon. Hein. On sait très bien, hein. Demain, si un mineur joue au pari sportif, toi, comme moi, on n'y peut rien. C'est pas notre responsabilité à nous. Hein. C'est la responsabilité du mec qui lui valide son ticket au bureau de tabac. Ou du mec qui va voler une pièce d'identité pour créer un compte pour jouer en ligne. Sinon, on n'y est pour rien. Moi, je donne des conseils de paris sportifs gratuits. C'est-à-dire, je n'ai aucun intérêt à le faire si ce n'est pour faire profiter les gens. Et toi, tu n'as aucun intérêt à le faire si ce n'est pour faire profiter ta communauté. Alors, je ne vois pas où est le problème. Demain, c'est-à-dire quoi? Demain, les chaînes à la télévision qui font des pubs, Unibet, Betclic, Winamax, c'est-à-dire quoi? Ceux-là aussi, on doit les censurer parce qu'ils font de la pub pour les paris sportifs ou pour les jeux d'argent en ligne. Mais j'ai pas compris le délire en fait. Du moment où on propose quelque chose à quelqu'un, nous, après, on n'est pas responsable de ce que vous faites. Pourquoi vous croyez qu'un mec comme Mohamed Deni, qui est suivi par 1 million, près 500 000, 1 million 500 000 personnes sur YouTube et 800 000 abonnés sur Snapchat et Instagram, toute la journée, vous voyez ses snaps? Il est au casino en ce moment à Barcelone en train de parier sur des courses de chiens. Est-ce que le mec il va dire, ah attention la team, je vous préviens, hein, c'est interdit au moins de 18 ans. Cela va de soi. On sait qu'en France, le jeu est interdit au moins de 18 ans. Après, s'il y a quelqu'un qui a 16 ans et qui joue, moi personnellement, comme toi Sacha, nous ne sommes pas responsables. Ce n'est pas de notre faute. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut contrôler, nous, les gens qui jouent ou pas? Non mais au bout d'un moment, faut arrêter avec les. J'ai vu les commentaires, je me suis permis de répondre à quelques commentaires sur la vidéo que tu m'as fait. Si gentiment encore une fois, non mais on croit halluciner. Le mec, il est là, toi Sacha, hein, je parle de toi. T'es en train de faire profiter d'un plan à quelqu'un ou à ta communauté. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais ceux qui sont pas contents, taisez-vous, c'est tout. Vous n'êtes pas intéressés, vous n'êtes pas contents. Et ben voilà, on se tait. Excusez-moi. Alors, Sacha, sur cette vidéo-là, t'as fait à peu près 1500 vues, quelque chose comme ça et tout. Ok? Sur 1500 vues que Sacha Benita a fait sur ma vidéo YouTube. J'ai eu 400 ajouts sur Snapchat. Alors ça veut dire quoi? Les 400 personnes qui m'ont acheté, ce sont des abrutis, c'est ça aussi que vous voulez dire? Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter au bout d'un moment. On vit dans un pays. On